Bonjour les amis, on se retrouve pour continuer notre quête sur No Man's Sky. No Man's Sky. Donc on était allé là-dedans je crois. Oui voilà, j'avais coupé à l'intérieur ici. Alors je sais plus où j'avais pris le flingue visiblement. Là qu'est-ce qu'il dit? Inventaire plein, ah oui d'accord. Alors j'en étais où? J'avais donc mon petit inventaire plein, visiblement. Ok, les mérites, machin. Peut-être le vendre. Et on cherchait donc le fameux plan pour l'antimatière, voilà. Donc ça, on va l'enlever. Le titanium, il y en a pas mal. Je peux peut-être en avoir besoin pour... Merde. Je peux peut-être en avoir besoin pour les... Là, il n'y a rien. Ouais, il y a que... Ah, et dans le vaisseau, merde, j'ai pas regardé le vaisseau. Dans le vaisseau, nous avons quoi? Dans le vaisseau, nous avons... ça, on va peut-être le recharger. Cellule à distorsion, on peut pas. Mais ça, forcément. Voilà, ça c'est bon, c'est rechargé. Alors, ici aussi, on va peut-être recharger ça. Voilà. Merde, fuck. Fuck la vie! Voilà, ça c'est bon. Ok, j'avais des trucs comme ça, j'avais ça, un peu d'iridium. Ok, bon. Lui, il nous dit rien de spécial, il nous dit quoi lui? Je m'en souviens plus. Zikwilban, Tigbin, Hard, Motorball, Distorsion. Ah, je connais Distorsion quand même. Prendre le plan. Je veux le plan, bien sûr. Bien sûr. Des excuses pour concevoir mon propre chemin à travers les. Ça va révéler les utilisateurs, la chose de l'ailleurs, un guerrier, Nouvelle technologie, hyper propulsion. Propulseur VSL, permettant au vaisseau d'atteindre la vitesse de distorsion et de sauter d'un système à un autre. Système. Ok, il est gentil le monsieur. Alors, on va se le branler par là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'iridium. Et pas beaucoup en plus. Ah non, c'est pas celui-là. Attends, ah mais il est là l'hyper machin. Mais non, attends. Qu'est-ce qu'il nous a donné en fait là? Propulseur VSL machin truc. Mais on l'avait déjà ça non? Hyper propulseur VSL. Ah oui, on l'avait déjà. Qu'il est con. Il nous a refilé le même. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on s'en fout. On se casse d'ici. Moi, ce que je voulais, c'était le plan antimatière. C'est pas grave. On va aller là-bas, là. Là-bas, il y a un petit... Il y a un petit truc à bignou, là-bas, là. Allez, cours. Motherfucker. Voilà. Hop. Ah oui, c'est vrai, il y a plus de piratage à la con. Alors, plus de piratage. Hop. Alors, monolithe. Je vais prendre abri. Recherche-moi un abri, s'il te plaît. Oh, avec une petite chute de FPS au passage. Pas énorme, pas méchante, ça va. Allez, on continue. Hop. On prend le vaisseau. Alors, il est où ce PD? Il est là-bas. Ah oui! Ah non, mais c'est pas l'abri, ça, c'est la station. Qu'est-ce que je dis? Mais non. Merde, ah mais il est là en rouge. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah non, il y en a... Bah... What? Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Attends, genre à abri, il m'a fait aller à cet abri là? Mais non, c'est une connerie. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Ah si, je crois qu'il m'a trouvé l'abri juste à côté en fait, tu sais. C'est genre en mode YOLO quoi. Mais non. Marc, tu vas me dire, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que je fais? Allez, tourne. Oh putain. Visiblement, il veut pas tourner. Attends, mais c'est de là où je viens, on est d'accord, non? Bon. Bah oui, j'étais garé à côté. On est d'accord qu'il a chié dans la colle le bordel là, non? Ou pas? Ah, peut-être pas. Ou alors c'était tellement à côté que j'ai pas fait gaffe. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref.
s'appelle les fails. Les fails de l'amour. Les fails de l'amour. Et pas les feux de l'amour. Alors. Non, ça, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Inventaire plein. Non, mais on s'en fout d'inventaire plein. On s'en fout, vas-y, exo-squelette de l'amour qui tue, là. Ah, mais c'est... Voilà, c'est bien. On va vendre, de toute façon, on va vendre. T'inquiète pas, Janine. Oui, je vais appeler l'intelligence artificielle, là, la petite voix, je vais l'appeler Janine. Ça me plaît bien, comme ça. Bah oui, voilà, c'est de là où on vient. Bah alors... Pff, quelle merde. Le début d'épisode, super cool. Bon, vous savez quoi? On va vendre des trucs. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui me saoulent, là. Iridium. Ah merde, j'ai peut-être vendu des trucs. Non, quoique. On s'en fout. Oh, c'est bon. Allez, on s'en tape, on se casse. On va se barrer loin d'ici, parce que là, c'est un peu la misère. C'est un peu la misère. La misère, la misère. On va aller là-bas, par exemple. On va pas commencer à miner. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'argent. On a surtout besoin de trouver ce putain de plan. Pour ça, il nous faut des abris. Et pas des vieux abris qu'on a déjà trouvés, en fait. Ça serait pas mal. Parce que là, il nous a fait n'importe quoi, le bordel. Ça fait n'importe quoi. Ah ben là, voilà, il me manquait de l'iridium, on va aller en prendre un peu là-bas. Ici, qu'est-ce que nous avons au niveau point de sauvegarde enregistré? Non mais vas-y, dégage. Non mais... Pas de visière? De quoi? Pourquoi j'ai pas de visière? Pourquoi j'ai pas de visière? Ah ouais, j'ai pas de visière. Ah, il me manque du fer. Putain, mais je m'en rappelais pas, t'as. Je suis parce que j'ai pas fait les deux épisodes à la suite, là, donc... je m'en rappelais trop pas de... D'où j'en étais. Du fer, donne-moi du fer, je veux du fer. Du fer, et toi, donne-moi de la nouvelle technologie, s'il te plaît. Rayon phasique, merci. Alors, j'en étais où, moi? J'en étais à multi-outil, visière, voilà. Pourquoi la visière s'est enlevée? Ah, parce que j'ai changé d'arme, mais c'est bien sûr, mais oui. Est-ce que j'ai changé d'arme? Bon, visiblement, il n'y a que dalle ici. Du blindage encore. Je vais aller prendre ça. Du tamium. Tomium, pardon. Bon. Ici. Ouais, vas-y, on voit. La sentinelle, elle est pas contente. Hop, on va aller là-bas. Olé, freine, l'ami freine. Hop. Alors, on en est où là? On en est où ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que se passe? Dis-moi ce que se passe, je te jure, dis-moi. Le Maghreb. Oh putain, j'y étais presque avec mon accent. Je te jure, vas-y, dis-moi. Alors... Système de... Voilà, cette blague était complètement raciste, j'en conviens. Je m'entends. Attends, y'a personne là, Jean? Ah ouais, d'accord. Là, je suppose qu'il faut le pass V3. Ou V2 même, hop. Chose que je n'ai pas encore. Une petite espèce, voilà. Du viking. Et ensuite, on va aller voir ça. On va essayer de pas se chier. Une balise envoyée il y a bien longtemps depuis un système lointain atteint ma réponse. Trois nombres sont visibles au-dessus d'un boîtier. Façon Bernard Laporte. Alors, 1702. 1702. 1702. Non, c'est pas celui-là. 1702, c'est celui-là. Je me trompe pas. Ouais, c'est celui-là. J'ai découvert un lieu parmi les étoiles lointaines. Ouais, bah vas-y. Et me redonne pas, me refile pas encore ta connerie de. C'est un monolithe en plus. D'accord. Bon, mais on va aller au Théma le monolithe. On va aller au Théma le monolithe. Putain, je vais prendre un peu de plutonium.
Cours, cours, cours. Ah, mais il y a ça aussi. Ah, mais non, ça c'est pour le vaisseau. Putain, je me suis posé juste à côté. Allez, grouille. On va aller voir le monolithe. Le monolithe. Qu'est-ce qu'il a le monolithe? Putain, il faut que je trouve un moyen de changer cette texture de ciel aussi là. Oh là là, qu'elle est dégueulasse. Oh là là là. Oh, c'est pas humain. Oh, c'est pas humain. C'est tellement dégueu. Ah, ouais, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Juste à côté de l'autre, il y en a un. Vu. Je l'ai vu. Sur le tutu, chapeau pointu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Tiens, hop. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Hop. Ouais. Oh putain, encore la cinématique à la con. Tu vois, vous voyez là, voilà. Là, c'est de la merde parce que voilà, pendant ce temps, on peut pas cliquer pour continuer l'aventure. Tu vois, voilà, ça c'est de la merde. Moi, je suis bien content d'avoir eu des succès, des machins, mais. Voilà, je veux. Comment ça, inventaire plein? Comment ça? Oh là là, inventaire plein, tu vois, par exemple, le carbone à la con. Non, mais le carbone. Carbone à la con, tu me l'enlèves là. J'en veux pas. Ah merde, il faut que. Ah putain. Petit bug à la con, attendez. Petit bug de souris. J'utilise une Razer Naga. Et selon le jeu auquel je joue, je change la touche dans les profils. Voilà, là ça devrait aller, ça devrait fonctionner. Ici, hop, voilà. Maintenant je peux enlever le carbone. Alors c'est parti. Je pose la paume de la main sur le monolithe. Bon, je vous lis plus les trucs, hein. Voilà, si vous voulez le lire, vous mettrez sur pause. Et puis, alors, reculer, tendre la main. Non, je vais tendre la main, moi, je suis ouf. Fusion cool sur mon exoskeleton. L'édifice est construit, mais les dégâts qu'il cause persistent. Oh bon, persiste. Ouais, mais le message aussi persiste. Alors dégage. Oh, j'ai eu mal. L'estime que vous portez à la race a baissé. Ah merde. Fuck. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est pas si grave. Alors mon vaisseau, il est où? Il est là-bas. Hop. Est-ce qu'on y va à pied là-bas? Bref, non. Trop la flemme. Oh, oh, oh. Oh, ça c'est du platine. Oh, ça peut servir pour les améliorations. Je vais reprendre un peu de ça là-bas. Hop, merci mon chien. Ouais, c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi. Hop, on se pose. Pose-toi. Putain, me pose pas à 6000 mètres quoi. Bon, il me pose à 6000 mètres d'altitude. Et là, fais voir. Ouais, la texture elle est pas encore géniale, géniale quand même. Mais bon, je vais pas pouvoir forcer plus parce que sinon, si je remets de la résolution et de la texture derrière, je pourrais plus filmer en 60 fps. Hein, donc, déjà que là, parfois j'y suis moyen alors. Et hop, qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Il y en a un autre là-bas. C'est une espèce de. Putain. Tu galères un peu? Tu es moi! Ah, ah, il est pas si dégueu que ça en fait celui-là. Ah, il est pas si dégueu que ça. Oh, par contre, son cri est dégueu. Son cri est bien dégueu. Alors, c'est quoi ça? Non, mais reste là. Celui-là est marrant celui-là. Tu vois? T'es marrant toi? Non, mais je vais pas te donner à bouffer, tu rigoles. Toi, t'es pas marrant toi? Ah, oh là, oh là, il y en a plein là. Oh là là là. Ah, ils sont mignons ceux-là aussi. Ah, ils sont mignons ceux-là. Bon, ça je connais déjà. C'est bon au niveau créature. J'ai tout fait au niveau créature ou pas? Ouais, je crois que j'ai tout fait. Ah, oh, oh, c'est quoi celui-là? Ah, c'est pas le même que les autres celui-là. Il est un peu plus gros. Ah non, il a une... Ah, faut voir ta gueule un peu. Ouais, d'accord. Hop. C'est parti, alors. Oh putain, oh là là là, oh là là là, les textures. Oh là là. C'est tout, il y avait que celui-là? Ah, je vais faire un petit scan.
Oh, ouais, visiblement. Ah non, il y en a deux là. Vu. Et vu. Étape de voyage. C'est bien. C'est bien. Allez, confus, putain. Vite. Merci. Oh, je vais recharger un peu la combinaison là. Alors, un peu. Ouais. Bon, là, pas trop. Pas trop de mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je crois que j'ai déjà visité tout ça. Hein. Je crois qu'il y a rien là-dedans. Aussi... Ah, mais c'est là qu'on. D'accord. D'habitude, il est. Parfois, il est. Il est dans un coin. Alors, les souvenirs d'une tribu des guerriers vikings disparus depuis longtemps. Blablabla. Demande de l'aide pour comprendre la langue. Mais oui, vas-y. La connaissance des vikings est accrue. Oui, fait accrue. Accrue ou cuit. Oh, bah ouais, il est là, mon vaisseau. Aïe. Oh là là, mais cours un peu, cours. Allez, grimpe. On va continuer un peu plus loin, on va voir ce qu'il y a là-bas. On a une bonne planète pour trouver notre... Ah merde, carburant en décollage. On a une bonne planète pour trouver... Ah putain, pour trouver notre plan à la con, là. Je pense que ça, c'est une bonne planète pour le trouver. Donc on va scanner, on verra bien. Ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la grosse merde, je m'arrête pas là. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le coin? Nous avons pas grand-chose. Si, là. Là, il y a une... Il y a un monolithe, là. C'est un monolithe, ça? Oh. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Pas du tout, c'est une... C'est de l'iridium. Hop là! Tu vas où? Hop là, ouais, je fais un peu le... Vous allez gerber, je le sais, vous allez gerber. Putain, les trucs qui pop à 2 mètres, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, ça a l'air bon, là. Là, je le sens bien, ça. Allez, passe-toi. Alors. Ah, voilà. Je sens que je suis bientôt full. Full inventaire. Merci Margot, Marigot, machin. Alors, on va se mettre une petite. On va se foutre. Oh putain. On va se foutre une petite. Hop. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais. Une petite piratage, une petite puce. Une petite puce pour se péter le. Pour se péter, se faire péter l'abri. Avant-poste colonial. Non, je crois que c'est abri. C'est le meilleur moyen qu'on ait pour trouver du. Capsule de sauvetage détectée. Oh, capsule de sauvetage. Allons sauver des gens alors. Hop, ici, qu'est-ce que nous avons? L'estime des machins, ok. Ok, merci. Restauration, ok, l'aérien. Hop, un petit siège. C'est parti. Ici, nous avons quoi? Nous avons nouvelle technologie découverte. Merci. Santé. C'est bien. Ça là. Hop, le petit siège, comme d'habitude. Et on se casse. Non, on se casse pas. Si, on se casse. Ok, il y avait que dalle. Il y avait que dalle. Il y avait que chi. Bon, ben on a tout, on se barre. On va aller à la capsule de sauvetage, voir ce qui s'y passe là-dedans. Hop, arrête-toi là, toi. Ai-je bien visé? Ai-je bien visé, pardon. Bien visé, non, ça n'existe pas.
Ah, bah oui, voilà. Hop. Un petit déplacement d'inventaire, ça fait toujours du bien. Améliorer la combinaison, mais bien sûr que je veux améliorer la combinaison. Forcément. Hop. 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 Une petite sauvegarde. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'on a au niveau multi-outils, machin tout là? Niveau multi-outils, nous avons quoi? Nous avons lance-foudre, concentrateur, traite plus rapidement les matériaux riches en ressources. Ouais, ça je vais le mettre. Nous avons quoi d'autre? Accélérateur de recharge Sigma, réduit le temps de rechargement du lance-foudre. Ouais, mais faut pouvoir le payer le lance-foudre derrière aussi. Bon, je le mets. Ah merde, je le mets. Ouais. Je vais chercher 10 fers et je me tape le lance-foudre. C'est pas quelque chose qui me sert dans l'immédiat, mais. J'ai peur que l'autre il m'attaque. Il est où cet enfoiré? Il est là. Tu m'attaques pas, t'es gentil toi? Normalement ces trucs là ils sont un peu méchants, mais là il a l'air sympa. Fais pas à sa gueule. C'est très bien. Alors, multi-outils. On se fait le... ceci. Voilà. Là j'ai le lance-grenade machin. Grenade rebondissante, oh non, ça c'est trop de la merde ça. Pour viser, laisse tomber. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, y'a un champignon sautant, enfin... Ah voilà. Putain, je me disais, vas-y Janine est là. Bon, très bien. Merde. Bon, mais on va au prochain point là-bas. J'espère que c'est pas celui-là où j'ai dit putain il est pourri celui-là. Ah non. Allez, pose-toi putain. Pose-toi, mais pose-toi. Alors. Oh, le ciel est beau, le ciel est charmant. Hop. Piratage baby. Piratage, baby. Piratage. Dis-moi qui est la plus belle. Ou la poubelle. Bon, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire une transmission pour une fois. Tour de transmission détecté. 16 minutes à pied. Ah bah putain. Alors. On sauvegarde. Oh, putain, j'espère qu'on va... on va vite trouver un truc de saut là parce que ça pue du cul quand même. Ça pue du cul mais violent. Je me souviens plus du tout à ma première partie où c'est que j'avais vu ça quoi. Peut-être dans les abris, dans les... un mec qui nous le donne à un moment donné mais je sais pas où. C'est tout? Putain, que dalle. Nouvelle technologie, adapteur large amplitude, élargit le cône de destruction des tirs de foudre. Ah, pas mal ça. Alors hop 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 hop, toujours le petit siège pour faire plaisir. Y'a que dalle. Il est où Jean-Jacques? Putain, je vais donner des noms à tous les trucs là. Allez. Là-bas y'a quoi? C'est de la merde non? Oh c'est de la merde, ça a l'air de la merde. Alors j'avais dit quoi? Transmission. J'avais vu quoi déjà? C'était quoi le truc? Ouais, visiblement c'était un abri à la con. Ouais c'était ça. Attends, j'ai fait transmission, il m'a filé un abri? Mais non. Bon. Why not? Si ça se trouve c'est l'abri d'où on vient, tu sais. En plus ça ressemble à l'abri d'où on vient, enfin. Je veux pas dire mais quand même. Ouais non. Hop, allez. De toute façon tous les points se ressemblent alors.
Pas pour un ou deux que... qu'on va pleurer. Vas-y, donne-moi ça, toi. Voilà. Ah, bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous allez bien ou vous allez pas bien? Un peu de santé, un peu de carbone, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oh putain, inventaire plein. On peut pas vendre ici? Y a pas de truc pour vendre? Putain, j'allais louper ça. Putain, on peut pas vendre ici, ça race. C'est voir si je... Oh, bah toi tu me jettes ça, le reste, voilà. Comme ça, je peux lui parler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Important, ouais, d'accord. Bien, le guerrier reste silencieux. Complice, il gagne. Ouais, on va faire ça. Menacé de le signaler. Nouvelle technologie. Merci bien. Et ici. C'est ça, je crois, qui nous donne les. Alors. 1, 2, 6. Alors que c'est 4, 5, 6. Ah ouais, c'est après il faut multiplier par 5, 120, et ça fait 720 après, je crois. Ça se par 6, je crois que c'est ça. Je l'ai fait tellement de fois que il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Signal de détresse détecté. Et where is the... détresse signal. Je sais pas comment on dit détresse. Ok. On en a fini pour ici. On va aller regarder. Ah mais là il y a encore un truc pour piratage. Mais voilà. On va créer le chip. Le chip de piratage. Monolithe. Qu'est-ce que je fais avant post-colonial? Je vais refaire abri. Hein. Et au bout d'un moment il va me dire mec t'as tout visité gars. Abri détecté. Ah ouais, merci bien. Putain, c'est de la merde ça. Genre il détecte ses propres abris quoi. Ok, j'ai compris. Oui, je sais, j'ai plus de carburant. Ça va. Allez, zou. Non mais ça je m'en fous de ça, c'est pas celui-là que je veux, moi c'est le signal machin là-bas. Ah mais il est juste à côté en fait. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a un monolithe là-bas. On va y aller à pied. On va prendre quelques ressources au passage. Il y a un monolithe. Le monolithe de la fume. Alors ce jeu, j'aurais bien aimé le streamer. J'aimerais bien streamer. Oh. Qu'est-ce donc que ce chip? Il a 15 emplacements. Et le mien en a 16, donc tu vas te faire enculer. Même s'il est plus beau, non, merci. Ça va, sans façon. Le cockpit est décoré de trophées de créatures, envoyer un signal de détresse, rechercher des signes de vie dans le vaisseau. Il a été attaqué par quelque chose en vol, sans qu'on sache... envoyer un signal de détresse, rechercher des signes... Vas-y. Il me dit. Nouvelle technologie, amélioration de déflexion. Ok. Oh ta gueule. Voilà, on s'en fout. Inventaire plein. Plutonium, ça c'est bon. C'est pas inventaire plein. Ok, j'avais vu un truc, je crois que c'était là. Oh putain, il y a quand même une minute. On va y aller en vaisseau. Pas s'emmerder. Est-ce que j'ai pris le point là-bas? Je me souviens plus. On s'en fout. Hop. Voilà, c'était ça que j'ai vu. J'ai vu ça. Alors là, il me dit le truc là, le merde, le tutoriel là, il me dit rendez-vous dans la station spatiale. Alors on va peut-être y aller en fait. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ça, j'ai plus de place là. J'ai plus de place. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu aimes. Non, c'est pas ça. Non.
What? Putain. Non mais monte. Non mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh là 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 là, la boutade. Le boulet quoi, le boulet. Ouais ouais c'est bon. Interagir monolithe. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'essaie de lire l'église sur le monument antique. J'aperçois isotope, dégel. Dégel. Oulala. J'ai que de l'oxyde, je donne de l'oxyde ou quoi? Ah non mais c'est isotope, mais non, isotope, isotope. Faut que je donne du carbone. Faut que je pécho du carbone vite fait là. Putain, en plus y'a rien ici. Donne-moi du fucking carbone. 20, ouais c'est bon, ça suffit. Eh hey, bouge-toi. Putain, il faut absolument que je trouve un moyen d'aller plus vite aussi hein, parce que. Oh là 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 là, oh là là là, le boulet, le boulet. Putain, j'étais bugué, je sais pas si vous avez vu, j'étais en mode zouké quoi, zouké zouké. Allez, allez. Normalement, de l'isotope. Non, je veux du l'isotope, donne-lui de l'isotope. Le gaz glacé fond dans l'atmosphère, je reçois une récompense. Oh oui, vas-y, envoie la récompense. Que vous portez la race viking a augmenté. Ok, c'est bien, vas-y, on voit. Hop. On va aller. On va aller sur la station spatiale pour vendre. Et après, je sais pas, on va se tirer de ce merdier. Je sais rien. Bon, pour l'instant, on va aller à la station spatiale. Rendez-vous dans la station spatiale. Oh oui, t'inquiète, j'y vais, Janelle. J'y vais, j'y vais. J'y vais. T'en fais pas. Ouh! Ouais, mais là, un peu loin, là. Là, on est pas bon, là. Voilà. Là, on est pas dégueu, là. Pourquoi ils se déplacent comme ça? Ok. On est d'accord que. Mais d'accord que là, ça a bugué un petit peu. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave, grave. C'est pas guave. Ouais, c'est pas guave. Par contre, on va peut-être se recaler, non? Parce que. Arrête! J'aimerais plutôt éviter de tomber sur des pirates ou des machins pour l'instant, parce que j'ai pas de gros boucliers, de machin truc. Ça peut être pas mal. On essaiera de défoncer des cargaisons aussi à un moment donné. On verra. Mais le problème c'est que ça fait descendre l'estime des races. Et bon, j'aime pas trop ça, je préfère. Bon, on verra. Voilà. Wow, oh là là là. Arrive un peu vite là quand même. Bon, c'est bien joli là de m'amener à la station spatiale, mais qu'est-ce que je dois y faire là-dedans? Je vais parler au type et il va me filer enfin le plan à la con. Rendez-vous à la station spatiale. Et du con! Et je suis où là, du con? Dans la vie! Oh! Merde! Attends, je rêve ou il m'a trollé là, le jeu quand même. Il m'a trollé. Bon, allez, on va vendre des trucs. Oh là 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 là, encore la cinématique foireuse. Vendre, voilà. Alors, oui.
Ante maximum, c'est pas ça que je voulais faire. Vas-y, envoie. Que dis-tu? Estime actuelle viking, relation particulière. Viking ancien, d'accord. Une marque de morsure rouge et récente fait le tour du cou du guerrier. Des marques. Hein, la forme de vie à bois avec. Avec des dés satisfaits de sa victoire discutable. Tant que ses blessures sont pourtant graves, elle a du mal à respirer. Bon, je partage l'oxygène ou. Voilà, oh là. Je sens mal ça. C'est si il me dit. Partager l'oxygène, je crois que c'est pas. Pas des PD les mecs, tu vois. Partager l'oxygène, c'est un peu comme. Et il a pas d'oxygène ici, lui. Attends, dans le vaisseau, j'avais pas d'oxygène. Non. Il y a du carbone, pas d'oxygène. C'est combien là? 22, c'était 100. Ah ouais, c'était 100. Je vais voir si je peux acheter du carbone là. Je préfère lui donner du carbone pour qu'il recharge son bordel. Plein vaisseau, d'accord. J'ai mis acheter ou... Comment ça se passait? Oui, c'est ça. Alors, y a pas... Ah, il y a de l'antimatière par contre. J'en ai acheté 3. Y a pas de carbone. Pas de carbone, je vais lui filer de mon oxygène et puis tant pis. Allez. Ok, partir, partager l'oxygène. Il me remercie. Bah, il y a intérêt. Je veux dire, vendez des métaux précieux et des articles rares sur les terminaux de commerce. Non mais ça je le sais, je l'ai déjà fait ça. Ce que je veux surtout, c'est voilà l'antimatière. L'antimatière, et avec l'antimatière, je peux faire voilà des cellules de distorsion. Et avec les cellules de distorsion, il me faut quoi? Du thomium aussi, d'accord, ok. Et avec le truc à distorsion, je mets du gras. Je mets du gras. Je mets du gras dans le vaisseau. Voilà. Voilà. J'ai mis du gras dans le vaisseau. Pulse réacteur VSL, mon cul, ok. Mon cul sur la commode. Ok, ça c'est bon, technologie rechargée. Voyons voir si on peut se faire une petite amélioration de nos... Non, on n'a aucune technologie concernant ça. Le multi-tool, on l'a fait tout à l'heure. Ah, on a des trucs là. Grenade, lanceur de plasma. Ouais. Allez, vas-y, envoie. Envoie la purée. Là, y'a rien. Vaisseau. Là, y'a que dalle. Ouais, ça. Ça me prend. Tant que j'ai pas le plan pour construire l'antimatière. Instant, ça me sert à rien, ces merdes-là. Bon, allez, on se casse. On se casse d'ici. Dans le vaisseau, on avait quoi déjà? Dans le vaisseau, on avait dû faire du zinc. Le fer et le zinc, on va pas s'en encombrer. On en a déjà bien assez. L'iridium, par contre, on garde. Ça aussi, on va le garder, on sait jamais. Ok, c'est parti. Ok, on va voir ce que nous dit la machine, là. Que nous dit la machine là? Il nous dit rien. On va faire un coup de M et on va partir vers d'autres cieux. Pour l'instant, on va faire itinéraire vers le centre de la galaxie, puis au bout d'un moment, on chopera bien. On chopera bien une station. Comment on appelle ça? Alpha? Non, je sais plus quoi. Atlas. Une station Atlas. Ah, mais je crois que les stations Atlas, elles sont que dans les trucs un peu chelous. Là, je peux pas sauter. Attendez, c'est où mon truc de base? Il est où? Il est là. Là, par exemple, ici, j'ai peut-être plus de chances de choper un truc alpha ici. Ah, mais il faut un truc à distorsion de taux, machin. D'accord, ok. Donc, on va aller tranquillement. On va sauter le plus loin possible où on peut. Non, là, on peut pas. Il va falloir améliorer tout ça. Allez, on saute ici.
On va voir ce qui se passe dans le coin là. L'idéal ce serait aussi de trouver une planète à farm, c'est-à-dire une planète. Et d'ailleurs, je vais faire. Je pense à. Oh là 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 là, encore les cinématiques. Putain. Alors, voilà. Je voulais juste faire ça. Ça fait un peu de faf. Un peu de Unity. Des Unity. Voilà. Voilà, on est bon. Ouais, on est bon. Hop. Là on est bon. Ensuite, on va aller explorer cette planète. On y va. C'est parti. Oh, une planète à farm, c'est des planètes où il y a des perles ou des cubes machin spéciaux là. Ça coûte 20 000 unités le cube et si on en récupère assez, il faut juste un peu de bouclier sur l'exo, l'exosquelette et l'exocombinaison parce que les sentinelles nous pourchassent un peu quand on utilise, quand on vole ces trucs sur la planète. Carrément en mode. Oh, elle est pas dégueulasse cette planète là. Installation de production détectée. D'accord, on va aller vers là-bas. Alors. Ah, mais je suis déjà en mode boost là. Ah merde. Ah ben voilà. Obtenez le machin de antimatière. C'est ce que je voulais moi. Pouvoir en fabriquer. Ah mais là on est en mode 13. Ah oui d'accord. 13 minutes. Ouais d'accord. On va peut-être. Repartir dans l'atmosphère. Oh merde, je suis allé un peu loin. J'ai une souris un peu trop sensible. Pour une fois qu'on a pas un ciel violet, orange, machin, c'est pas mal quand même. Putain, donne-moi un peu de machin toi. Voilà. Ah, c'était que du fer, c'est de la merde. Ok. On est là. Je sais pas si j'avais fini ma phrase là, tout à l'heure. Je voulais faire du streaming, et, sauf que ma connexion est pourrie. Et je sais pas. Si jamais quelqu'un peut me dire en commentaire si ça vaut vraiment le coup de faire du streaming en 360p, si ça rebute pas les gens en général, en sachant que sur Twitch. Il y a un truc du style si on n'est pas je sais pas combien d'abonnés ou si on n'est pas adhéré à Twitch machin, eh bien les viewers ne peuvent pas changer la résolution de la vidéo. Donc si moi je fais du 360p et que ben voilà, au moins je ferai du streaming pour les petites connexions qui peuvent pas changer de résolution quoi. Voilà. Ben, je me dis ça, après je sais pas si ça vaut le coup, voilà. J'attendrai que quelqu'un en commentaire me le disent, on verra bien. Mais j'aimerais beaucoup faire du streaming. Le streaming, c'est vraiment quelque chose qui me botte bien. Voilà. On y est. Oh. Oh, on a une planète avec des textures sympathiques. J'aime bien ce genre de planète. Alors, ici même. Ah oui, là c'est en mode. On va aller la découvrir quand même déjà. Voilà. On va aller se foutre dans l'exocombinaison, je suppose. J'ai toujours pas de. Y'a rien qui a changé depuis tout à l'heure. J'aurais bien aimé me trouver des boucliers pour les renforcer, mais. Y a rien et il y a des putains de sentinelles qui rôdent à peu près partout. On se met en mode. Oh là là, il est nul ce truc. Hop là. Hop. Oui, ça va, je me fais défoncer la gueule. Je le vois bien. Le troisième, il est bugué, il est là-bas, ça m'arrange.
Nouvelle technologie, intensité de grenade taux. Module neutrino, ok. J'ai toujours pas compris. C'est quoi, c'est le lance-foudre? Voilà, merci. Voilà. Des fois, ça sert que les sentinelles soient buggées. Comme ça, au moins, ils nous font plus chier. Comme Aeropop 3x3. Ah non, là, il y en a deux, là. Ah, il y en a trois, là. Bouclier. Technologie. Tir rapide. Améliore le système de cadence de tir du lance-foudre. Ok. Ok. Donc, il y a que ça. Bon, maintenant, il y a ça. Alors, quelque part sous mes pieds, j'entends le grondement continuer. Prendre la formule de l'antimatière. Voilà. Eh ben, en fait, ça se faisait tout seul. Je pensais que je l'avais chopé comme ça, mais voilà, c'est bon. On a enfin notre antimatière. Qui est une bonne chose. Merci bien. Il nous manque du zinc, mais c'est pas grave. Voilà, ça. Ok, c'est bon. C'est parfait. Ok, on n'a plus qu'à se tirer. On n'a plus qu'à se barrer. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Oh! Je peux pas le... Attends. Je peux le découvrir, ça? Ah non, je me disais aussi. Non, c'est les Sentinelles élites, là. Ça, eux, ils font vraiment beaucoup. Je pensais que... Je sais pas, j'avais jamais vu qu'au scanner, il était... Il était repéré comme... comme non vu, comme non, non connu, pardon. Recharger le scanner. Non mais ça va, c'est bon, tranquille. 2 secondes, 2 secondes. Vas-y, vas-y. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. J'aurais bien aimé trouver du zinc. On va aller sur notre planète parce que celle-là a l'air pourrite. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? C'est pour ça qu'il y a un truc dans les airs ou c'est juste une icône? Non, ça doit être le... Ça doit être une icône. Alors, ah non, il y a vraiment un truc dans les airs, j'ai l'impression. Bon, bref. Attends, il y avait un... Putain. Il y avait bien un point d'interrogation ici, là. Pourquoi les trucs elles sont toutes petites tout d'un coup là, les icônes? Bon, y'a que là cette planète, elle me fait chier. Allez, on se casse. On va aller en voir une autre pour choper du zinc et on va fabriquer, on va se mettre full antimatière. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? Alors. Là-bas, il y a un gros caillasse. Ah bah c'est du fer, d'ailleurs. Ça peut servir. Je vais voir, ici. Ah non, mais attends. Voilà, hop. Alors, putain, mais casse-toi. Alors, ici. Donc, on peut fabriquer ça. C'était quoi, ça? Il manquait... Ah, c'était du zinc, c'était pas du fer. Pourquoi j'ai du fer? Par contre, je peux fabriquer ça. Je peux en mettre un autre ou pas? Non. Alors, y a-t-il d'autres planètes dans ce système? Visiblement. Attends, genre, il n'y a qu'une planète? J'en ai rarement vu des planètes avec un seul système. T'sais. Ah ouais, une planète. Oh, j'en ai rarement vu des planètes avec... Enfin, des systèmes avec une seule planète, pardon. J'en ai rarement vu. J'en ai rarement vu, vu. Alors.
Ah mais du coup, elle est vu que cette planète elle est pourrie. On va pas s'attarder ici. Hein. Pierre propulsion, machin. On peut se barrer là. Ouais, on va pouvoir se barrer, je pense. On va ouvrir la carte et on va se barrer direct. Hein. On va pas chercher à comprendre. Hein. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin ou pas? Non, trop éloigné, putain. Là on suck, hein. On suck bitch, vraiment. Ah c'est la loose. Niveau propulseur interstellaire motherfucker, on est en version diesel 1 litre 1 à roue en bois et motorisation en carton pâte quoi. Oh là là. Ah ben voilà. Voilà, au moins il y a des planètes ici. C'est pas de là où on vient, moi. Parce que je regarde pas où je vais. Non, puisque c'est centre de la Terre à chaque fois, donc y a pas de souci là-dessus. Alors, on va trouver une planète qui a l'air pas trop dégueulasse. Celle-là a l'air dégueulasse quand même, non? Elle a l'air verte, celle-là. Celle-là a l'air d'avoir plein d'eau. Ouais, on va aller là. Hop, on va faire un scan système, il a raison. Monolithe extraterrestre détecté, ouais, mais c'est pas forcément ce que je cherchais là, tu vois. Visiblement, c'est ici, bon bah voilà, il a décidé pour nous, on va par là. Ouais. Ouais. Il y a des musiques sympas dans le jeu quand même. Il y a quand même des musiques sympathiques. Vas-y, envoie la purée. Youla. Hop là. Trouvez-nous, entendez-nous. Et bien sûr que je t'entends et que je te trouve. Bien sûr. Par contre, ouais, il va falloir un peu de zinc. On va se balader un petit peu sur cette planète vite fait. Trouver du zinc. Trouver du zinc. Approchez-vous. Mais oui, j'approche. Croire la promesse de l'Atlas. Mais oui, mais je te crois. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Je vois des lignes de code, des séries de chiffres, puis une structure étrange. J'ai la conviction qu'il y a un immense pourvoir, machin, truc mûche. Cellule de distorsion, merci. Éloignez-vous jusqu'aux étoiles. Comme tu veux. Mais avant, je veux choper du 5. Je veux choper du 5. 5 ou 5. Hop. Voilà. Je n'aurai peut-être pas assez là. Je sais pas. On verra. On va voir. Hop. Ici. Je me trompe souvent de boutons entre le. Ouais, j'en ai pas assez. Il en faut encore une et je peux faire une antimatière. Encore un petit. Là-bas. Ça doit en être là-bas. Ça doit en être. Ah, ah j'ai plus de jetpack. Là. Flore, ah non, faune, ça on s'en tape. Attends, il y en avait un là, voilà, ici. Ok, vas-y, construis-moi un petit antimatière là. Waouh, balèze. Voilà. Inventeur du vaisseau, comme ça moi, je suis peinard, j'ai deux trucs. J'ai deux bordels pour le vaisseau, alors fais voir ça. Hop. Ah mince, il faut que je le transfère peut-être. Tac. Voilà, parfait. Au moins ça le fait. Maintenant, on peut rentrer à la maison. J'ai construit mes antimatières machin. Pour pouvoir sauter un peu plus loin. Enfin, un peu plus loin. Pas forcément, parce que je l'ai pas rechargé à fond, mais. Bon.
Moi, ce que je veux, c'est suivre la voie de l'Atlas. Parce que je l'ai jamais fait, ça. Suivre la voie de l'Atlas. Hop! Et roule, roule. Ok, va dans l'atmosphère. L'atmosphère. Ouais, j'irai voir s'il n'y a pas des modes là pour changer le ciel là, parce que le ciel tout pixelisé là, retour dans les années 50 quoi. Enfin, 80, 90, ça suffira. Mais bon, quand même. Quand même. Bon alors, voilà, je suis dans les étoiles. Et maintenant? Appuyez sur C pour lancer un scan. Je lance un scan. Bâtiment abandonné détecté. Là-bas. Bon, on va y aller alors. Votre destination est liée à technologie rare disponible. Bâtiment. Ah! Ah! Technologie rare disponible. Oh là là. C'est pas le moment de. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Calmez-vous, calmez-vous. Ne me warpez pas sur la gueule déjà, ce serait pas mal. Un peu de respect, quand même. Merde, quand même. Votre destination est infinie, appuyez sur M pour le casse. Oui, d'accord. Aïe. Oh, j'ai pris un rocher sur la tronche. Oh. Putain, 2 minutes. Non, mais ça va pas le faire là. Ça va pas le faire là. Je vais balancer un coup de. Voilà, de activation. De activator pour Pluxor. Hop, top. Ah, mais c'est encore vachement loin en fait. Hop! Ouais, rentrer dans l'atmosphère, bordel! Voilà. C'est pas mal, j'aime jamais les effets. Les effets sont jolis. Les effets sont jolis. À l'instar de Star Citizen ou la nouvelle vidéo de la 3.0, là, j'ai pas trouvé ça. La rentrée dans l'atmosphère pourrait être plus impressionnante en fait. Et même plus réaliste parce que là elle est pas assez impressionnante. Et je pense que dans la réalité quand même. Tu fais un peu plus d'huile quoi, t'as un peu plus mal au cul quoi. Tu te dis merde là je vais griller quand même. Je vais KFC time quoi. Oh mais ta gueule avec ton inventaire plein toi. Ta gueule, ta gueule. Tiens, je vais mettre un peu dans la combi là. J'ai gavé de blindage. Qu'est-ce qu'elle veut là, Janine là? Non, là, ça c'est Ghislaine. Sentinelle, c'est Ghislaine. Ghislaine, la sentinelle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Hop. 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 Non, là on s'en fout. Ça pue du cul. Attends, c'était ça notre technologie rare machin là? Tu t'es pas un peu foutu de nos gueules là quand même? J'ai l'impression, hein. Foutu de nos gueules mais en façon en version puissant quand même. Oh pas toi. T'es j'hallucine. Oh en mode méga troll. Ah ben voilà il était là. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Oui bien sûr, analyser le journal de bord. Mais bien sûr, on va analyser le journal de bord. Je découvre quelque chose codé dans les méandres du journal de bord d'un voyageur mort depuis longtemps. Il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Suppression des toxines. Ouais, c'est pas mal, mais je. On va préférer un peu mieux quand même. Pas dégueu, ça peut servir, mon frère. Là, on est plutôt dans le froid, dans les flammes. Je chercherai ton cœur jusqu'à ce que tu l'emportes ailleurs. Là, il y a un truc. Est-ce qu'on y va vite fait? Ouais, on se le fait vite fait. Allez, on se le fait vite fait ici. Hop. Voilà. On se le fait vite fait, plus de piratage, hop. Hop, un petit peu de flore et de flaune qui sent bon qui sent bon l'ondée du matin. Chercher des points d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre un monolithe.
Recherche d'anciens artefacts aliens. Aliens. Je suis allé voir Independence Day. Independence Day, c'est vraiment un film à l'américaine pure, quoi. C'est vraiment le délire américain dans toute sa splendeur. C'est pas le meilleur film du monde. En tout cas, si vous voulez du fond, il n'y a pas de fond du tout. C'est que de la forme. Tout le monde se tire dessus. C'est... Les effets spéciaux sont, bon, comme d'habitude, avec les films américains, c'est génial, quoi. Mais bon, ça fait pas forcément un film. Là, le film est bon. Ouais, je dirais que pour se décontracter un soir, chips coca, t'es bien devant la télé. Bon, mais voilà. Ouais, d'accord. Bon, par contre, ça casse pas trois pattes à un canard non plus niveau scénario. Hein. Mais j'ai bien aimé la reine, la big reine. Enfin, je veux pas faire de spoil, mais voilà. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons le fragment de Javarius Nyssa. Abattre la créature. Oui, je l'avais déjà fait ça, je crois qu'il fallait abattre la créature. Voilà, la monolithe récompense mon acte. Abattre. Abasse la créature. Pour ceux qui aiment le métal, ils reconnaîtront la référence. Quoi? Ah putain. Fuck la vie, fuck l'amour. Oh, mais j'ai plus de... Allez, c'est parti. Maintenant, on va appuyer sur la carte de la galaxie et on se casse. Appuyez sur M pour ouvrir la carte de la galaxie. Oui, mais en mettant... Deux secondes. Putain, j'ai bien envie d'aller choper un petit... Avant de partir, là... De voir s'il n'y a pas un petit caillou. Des cailloux dans le ciel. De la cabane du pêcheur dans le ciel. Dans les étoiles, des astéroïdes. J'ai chié. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah, mais il y a de l'iridium. Oh, bah, on va le prendre au passage. Ça fera un peu d'argent. Argent. Mopral, argent. Oh putain, et... Oh là là, reste là. C'est pas tellement intuitif le vaisseau qui se pilote entièrement. Bon, c'est très arcade quoi, comme gameplay, mais bon. Le fait que le pilote, genre axe X, Y, les comment on appelle ça, les roulis, les yao, je crois, les yai. Je sais pas comment ils prononcent ça en anglais, les yao. Tout ça, enfin voilà, l'axe comme ça, là, pour tourner comme ça, et puis. Les axes au bas et tout ça, c'est tout à la souris, c'est un peu dégueu. C'est un peu dégueulasse. Mais enfin, c'est arcade quoi. C'est... Puis je suppose que pour les versions console, s'ils auraient fait un truc un peu trop simulation, ça aurait peut-être pas été la même purée, la même histoire. Voilà, on a un peu de... Voilà, c'est bon. Voilà ce qu'il faut. Alors, ouvrir la carte de la galaxie. Mais bien sûr. Voilà, maintenant. Voilà. Voilà, là on est sur le bon chemin. Là on a récupéré le chemin de la gloire et de la résistance et de mes couilles de mon cul. Voilà. Et c'est là que je veux... Voilà, c'est là où que je veux que tu m'emmènes. Là, ok. Là, est-ce qu'on peut y aller sans... Non, c'est trop loin. Oh putain, il va falloir faire des escales à chaque fois. Putain. Attends, je vérifie bien quand même que ce que j'ai dit n'est pas une grosse connerie. Ouais, c'est ça. Putain, il faut que j'améliore mon... Bon, il faut trouver des technologies. Pas le choix. On va sauter jusqu'ici. Et on va essayer de rusher une planète. Voir si on peut se taper... Un peu de minerai, un peu de bordel, truc sympathique. Oh là là là, où tu vas toi? Où tout va comme ça? Est-ce que j'ai besoin de vendre des trucs avant d'aller sur une planète? On va essayer de vendre... Oh là là, une planète avec de l'eau. Oh, j'aime pas trop ça.
Voyons voir ici. Est-ce qu'on a besoin de vendre des trucs? Oui, on va vendre. On va les vendre. En plus, il y a les connards qui arrivent là. Ils vont encore me demander de les aider à. Ah, parce qu'ils se font attaquer ou à les aider à les défendre. Ou alors je vais me faire moi-même attaquer et ça pue du cul. J'aimerais bien trouver un bouclier de vaisseau capable de me défendre convenablement contre les ennemis de l'univers. Voilà. On est bien, on est safe. On est tranquillou. Hop, et en plus on sauvegarde en sortant du vaisseau, ce qui est pas mal. Alors. D'accord, il y a un mec toujours devant son PC. Alors, vendre vos articles. Mais oui, je veux vendre. Relique geek. Hop. Ouais, à quoi se faire? C'est moi qui ai des oiseaux? Non, c'est pas moi. Titanium. Bon, tout ça, c'est la merde. Dans le vaisseau, on peut vendre l'iridium. On peut se vendre rien du tout d'autre. Non, on va garder, voilà. Hop, là c'est bon, on est bon, on est bien. Oui, salut. Hola, cher visiteur du futur. Alors, guerrier, poil guerrier, ah non, poids guerrier. Accepté au nom de la... Mais oui, j'accepte, j'accepte. T'inquiète, t'inquiète. Je reçois de généreux cadeaux ainsi qu'une image charmante de la forme de vie que j'épouserai un jour. Oh, je vais épouser une forme de vie. Amélioration du jetpack. Alors là, par contre. Ça, je le mets direct. Ça, par contre, l'ami. Et en plus, je peux le fabriquer direct. Boum! Allez. Ça, c'est clair. Obligé. Amélioration de jetpack. Alors là. Parce que c'est tellement la galère sur les planètes pour se mouvoir librement. Qu'une petite amélioration de jetpack, ça fait pas de mal. Ça fait vraiment pas de mal. Récupérer des feuilles de karité. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va aller sur une planète. Visiteur, hola, hola chevalier. Allez, bouge. Voilà, hop. C'est parti. On va sur une planète. Alors, la première là qui vient, je sais pas. Hein. Franchement, elle me dit rien celle-là. Il y en a d'autres, moins. Le Sunlight. Mais où le Sunlight? C'est la seule planète? Ah non, il y en a une là-bas. Ah non, c'est le truc de la. Ah non, c'est bien une planète. Attends, c'est une planète ou... Ah non, c'est là. J'ai cru que c'était une planète, putain. Putain, c'est la station, sa mère, la pute. Alors. Bon, bah écoutez, on va pas chercher 10 ans. Allez, c'est parti. Lanishnoslo. Lanishnoslo. Créer l'améliorateur. L'améliorateur de Jetpack. Récupérer une feuille de carine de plus pour fabriquer. À créer dans votre inventaire. Oui, t'inquiète, on va créer. Ah, j'aurais dû faire un scan. Bon, tant pis. On va aller ici, au pif. Au pif, ouais, il y a l'air d'avoir une petite station là. Là, il y a l'air d'avoir une petite station. On va chercher du machin truc ici, là. Hop. Ça peut toujours servir. Ensuite, il nous faut du fer, je crois, pour les carites, machin. Voyons voir. Ouais. Voilà, je l'ai construit. Et qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec ça? Récupérer une feuille de carite de plus pour fabriquer. Créer. Mais je l'ai déjà fait, ça, tout ça. On va lui faire plaisir. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut en fait. Comment ça se passe? Je l'ai déjà créé sur l'améliorateur jetpack là. Je l'ai déjà créé. Bien ça? Sigma? Ah ouais, Sigma. Récupérer une feuille de karité de plus pour fabriquer. Attends, il y en a besoin de combien là, normalement, pour le fabriquer ce truc là? On va le défabriquer. On va le défabriquer. Voilà. Et on va le refaire. Voilà. What? Bon, mais il est toujours... Ah, c'est bon. C'est bon, il a dû partir. C'est bon. On l'a fait. Voilà. Comme ça, il va être content.
Peut-être que je vais un peu vite et du coup le jeu il est en mode en PLS. Qu'est-ce que c'est? Bosquet de Failory. De Failory. Putain, il est toujours en mode créer l'aviateur, mais je l'ai déjà créé. Pentagol, j'ai déjà créé. Il est déjà dans l'inventaire et tout là. Qu'est-ce qu'il me... Il est en PLS. Il est en PLS. Bon. Donc le but, c'est de recharger le système pour aller plus loin dans le monde. Alors, dans le vaisseau, voilà, de recharger l'hyperpropulsion. Donc, maintenant qu'on peut créer, on va regarder les ingrédients, parce que c'est assez chiant à fabriquer, je crois. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Si je veux fabriquer des cellules, il me faut de l'antimatière. Avec de l'antimatière, il me faut de l'iridium, du zinc. Ouais, ça je l'ai déjà. Et machin, il faut fluide. Ouais, ok, ça le fluide. On peut que l'acheter, je crois. Et ensuite, il me faut du zinc et de l'iridium. Bon, on va chercher du zinc et de l'iridium. Là, l'iridium, il y en a au fond, je crois. Là-bas, c'en est un. Là, il y a des bestioles. Et viens là, toi. Eh, reste là, cousin. Ils sont connus, eux. Ils sont pas connus, ils sont reconnus. Ils sont déconnus. Là-bas. Et ça, j'ai fait ça. C'est bon ou pas? Ah. Elle est encore là-bas. Oh, il a l'air gros celui-là. Ouh, ils ont pas l'air gentils en plus. Honnêtement, ils ont pas l'air gentils. On va essayer de pas trop les... Tel le chasseur. 200 unités. Parfait. Ça fait toujours ça de prix, hein. Ça me fait chier de faire toute la planète pour choper toutes les races. Et bon, quelque part... Pourquoi j'ai ça? Enlève ça. Mais bon, quelque part, gagner 200, boules, 200 000 boules quand même, c'est pas mal, mais pff, moi ça me fait chier en général. Pas que ça à faire. Après, si je les trouve tous d'un coup, ça arrive parfois. Que voilà, j'arrive, je cherche des trucs, et puis tout d'un coup, bon, je les trouve tous, plus ou moins. Là, du coup, c'est gratos, c'est facile. Oh! Vu! Je vais aller choper ceux-là. Je vais les choper direct, parce que sinon, ils vont pas repop. Ou ils vont pas plus loin. Ils vont me repop plus loin et ça me saoule. Après il va falloir attendre 10 ans, comme je vous ai dit. Alors il va falloir en buter. J'avais vu quelqu'un, je sais plus qui c'est qui a fait ça. Ah oui, c'était un streamer américain. Enfin américain ou anglais, je sais plus. Moi je m'emmerdais à essayer de les choper avec le machin là, parce que quand on fait comme ça c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut les suivre à la trace, vous voyez, et c'est hyper chiant, tu vois. Alors que là tu fais ça, tu le butes, voilà, hop, il va là et tu fais ça, et normalement tu l'as, normalement. Ah, il est où? Ah bah il m'a fait mentir, ce con. Parce que là, voilà, là on est en mode... En plus c'est des jolis papillons. Vas-y, viens là toi. Oh, ah voilà. Voilà, au moins je l'ai. Parfait. Nouvelle donnée découverte. Oh, j'étais passé à côté de ça. Ah bien. Ah, il y en a un autre là-bas. On va aller le choper.
Et des planètes où il y en a plus ou moins. Je suis tombé sur des planètes des fois où il y en avait mais blindées. Je vais descendre un peu parce que sinon je me viander. Par contre, ouais, protection thermique là, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Un peu de zinc. Ah, j'aurais dû prendre. Bah voilà, blindage. Moi, ça fait ça de moins. Il n'y a rien ici. Il y a quelques dalles. J'avais besoin de zinc aussi, alors j'en ai pris, mais. J'en ai pris pour recharger la combi et je suis con. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va faire le plein d'iridium. Voilà. C'est cool. Alors il y a plein de. Il y a certains, enfin plein. Je sais pas parce que bon. Les gens qui parlent sur internet, c'est pas forcément la majorité, mais. Il y en a certains sur internet qui disaient que la physique était pourrie parce que quand on pète les machins et tout ça. Bon, écoutez les gars, d'accord, il y a des mecs qui disent que la physique elle est pourrie et les gars ils jouent à Minecraft. Ils ont joué à Minecraft pendant 10 ans, tu sais. Écoute, comment te dire, dans Minecraft la physique elle est pas plus évoluée quoi. Et ça, ça en gêne à rien que ça en fait un très bon jeu d'ailleurs. Donc bon. On va dire que moi ça me choque pas quoi. Voilà. Puis c'est un jeu d'arcade, il faut arrêter de s'imaginer que c'est réellement un jeu d'arcade. Hein. Moi je suis désolé mais pour moi c'est un jeu d'arcade, hein, No Man's Sky. Donc au bout d'un moment, ils peuvent se permettre quelques libertés quoi. C'est pas... Ah non, pas pour le zinc. L'inventaire est jamais plein pour le zinc. Alors... Mais je veux. Voilà, donc il me faut encore du zinc, il y en a là-bas. Il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup, on est tombé sur la bonne planète, là. Hein. Ah putain, à chaque fois je me gourre. Voilà. Je l'avais pas pris, celui-là, là-bas, non? Oh, c'en a un autre. Elle est luxuriante, cette planète. Il y a plein de bonnes petites choses à choper. Ah, et encore une fois, je vous cours. Allez. Monte, 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 monte. Avec ton jetpack amélioré, motherfucker. Alors, il est où le bloc? Pas arrivé. Ah, il est là. Ok, bon là on est bon, on est bon. On va reprendre un peu de ça là-bas. Voilà. Oh, allez vous faire foutre. Bon, ah, il y a des... Oh, pas mal ceux-là. Ah, c'est pas le même celui-là. C'est pas le même. On va voir où on en est au niveau planète. Hein. Tac, hop, 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 hop. Ah ouais, effectivement, il y en a beaucoup sur cette planète. On n'est pas rendu si on veut les faire. Hein. On n'est pas rendu. Hop, d'ailleurs, j'avais pas pris toutes les... Ouais, si ça, je l'avais fait. Ouais, si j'ai tout fait. Ok. Ah, ils sont gros quand même, ces connards. Merde. Oui, oui, c'est ça, demain. Passe Atlas. Je l'ai pas, le Passe Atlas. Tu vois pas que... Droit, hein. Alors, qu'est-ce que tu dis? On va revenir au vaisseau. Normalement, on a ce qu'il faut pour créer du... Pour créer de quoi avancer. Ouais, alors il faut se barrer. Je sais pas pourquoi il me dit feuille de karité, karité de plus pour fabriquer... je sais pas. Il est en mode PLS, PLS de chez PLS. Ok, donc, on a dit. Mais si, tu vois, il y a de l'emplacement libre, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, tu vois. Alors, ici, antimatière. Ici, tac. Donc, pour l'antimatière, il nous faudrait... peur électron.
J'avais pas du fluide, j'en avais pas de ça. Ou alors je l'avais utilisé. De machin truc. Ouais, j'ai utilisé. Ouais, je l'ai utilisé. Donc je vais recharger un tout petit poil les propulseurs. Voilà. On va aller sur la station spatiale. Quoique, exocombinaison. Ouais, j'ai un peu de place. Ce qui serait idéal, c'est qu'on se trouve un truc à miner vite fait là. Pas grand chose. On va bouger un peu de cet endroit. On va aller un peu plus loin, par exemple là-bas. Juste à côté là. Là. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, je sais, c'est des petits voyages. Ah ben voilà! Parfait! Vous voyez, on le veut, on l'a. Le petit gisement qui va bien à côté. Ah, et en plus on chope des trucs d'inventaire, ça c'est cool. Parfait, oui, accepté. Bien sûr. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien en particulier là? Non. Alors, vas-y. Et on va aller miner. Là, il y a des bons petits trucs ici, là. C'est quoi ça? C'est de l'or. J'espère que c'est pas du cuivre, parce que ça vaut... C'est moins bon que l'or. Ah, c'est de l'émeril, c'est pas mal. Ok, c'est parti. Session minage. Session création, tu vois, là, je suis en train de faire une statue. La statue à l'effigie de l'humanité. Tout voilà, comme ça, là, voilà. Voilà. Putain, il y a un morceau de rocher qui s'est incrusté dans les mérilles. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, le jeu, ouais, finalement, tout le monde lui pétait dessus parce que genre il était mal optimisé sur PC et tout ça. Finalement, on met un peu les doigts dans le cambouis et puis finalement, ça marche plutôt pas mal, hein. Ça marche plutôt même très bien avec une petite patch au passage. Puis voilà. Alors, voyons voir parce que là, je suis en train de crever un peu. Voilà. Ah voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Si j'ai le blindage comme ça fera de la place dans l'inventaire. Bon, eh bien écoutez, on va pas tarder à se laisser. Ah merde, arme déchargée. Arme déchargée. L'arme déchargée veut déjà se barrer en fait. Le multi-outil est déjà en mode rébellion quoi. Bon. Ouais, bon, on va se quitter maintenant. Alors moi je vous dis à la prochaine. Un petit pouce quand même. Ça fait toujours plaisir, vraiment, ça m'aide. Abonnez-vous aussi. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, si vous kiffez ce que je fais, voilà. Et moi je vous dis à bientôt.